L'on ne se doute de rien. Sur la place des Moulins, une place tranquille de village. Tranquille, c'est vite dit. Cruel démenti pour le conducteur guide. Son petit train vient de tomber dans une véritable embuscade, minutieusement préparée par les habitants du quartier. Le convoi subit un bombardement en règle. Les assaillants ont fait provision de farine et de frais. Des projectiles certes inoffensifs, mais à bord, on n'apprécie guère ce supplément qui n'était pas prévu au programme de la visite. Je suis révoltée par la façon de procéder. On a des amis qui viennent du Québec. On est libre de voir, de visiter comme on veut. Et ou à pied, ou en train. Par la chaleur qui fait, non mais vous vous rendez compte un peu. Ils viennent de faire. En face, on prétend avoir d'autres arguments. On n'est pas des gobies, le gobie c'est le poisson du vieux port, c'est le poisson qui gobe la bulle. Ah ouais. On n'est pas des gobies, c'est l'adéquation d'on n'est pas des chimpanzés, on n'est pas des animaux, on n'est pas dans un zoo. Et voilà quoi, que les gens viennent dans ce quartier, tout le monde est d'accord ici. L'affaire est très sérieuse, elle a mis en émoi la municipalité, la société qui exploite le petit train et bien sûr la police. Mais que ceux qui en douteraient se rassurent, le panier ce n'est pas le Far West. Music.